Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 19-20 sur France 3 Limousin. L'info pendant une heure, voici les principaux titres de l'actualité. Des vacances pour patauger dans l'eau, nous chausserons les bottes avec un groupe d'enfants en après-midi découverte à Champagnac-la-Rivière. Nous irons avec eux à la pêche aux insectes. Les vacances ont commencé il y a quelques jours et pour les parents, pas toujours facile d'occuper les enfants à Champagnac-la-Rivière en Haute-Vienne. Une activité nature était proposée ce mercredi, une initiation à la pêche aux petites bêtes. On voit cela avec Marie Soyer et Éric Boutin. Maman, j'en ai une autre. Et un de plus. Ce mercredi, c'était après-midi pêche pour ses enfants. Mais une pêche un peu particulière. Car ici, pas de poissons, mais des animaux en tout genre. On a pêché des araignées d'eau et des larves d'insectes. J'étais en train d'attraper des têtards. C'était une toute petite bébête. On dirait que c'était un phasme. Un peu plus loin, on retrouve Sacha, un autre mordu de pêche. Ah, là j'attends une petite bête. On dirait une araignée. Mais une araignée rouge-orange. Il est venu ici avec une petite idée derrière la tête. Je suis en train de pêcher comme mon tonton. Parce que j'ai envie de pêcher comme mon tonton. Et je crois qu'il n'y aura jamais. Le professeur du jour, c'est elle, Marie Descubes. Cette passionnée de la nature et du monde amphibien aide ces jeunes pêcheurs à reconnaître les différentes espèces. On la reconnaît parce qu'elle a plein de poils sur elle. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser les enfants à la biodiversité et à la protection de l'eau, qui est un élément important et à protéger. Alors montrer les petites choses cachées, les petites bêtes qu'on peut voir dans la mare. Cette journée découverte pendant les vacances scolaires, c'est aussi un bon moyen pour les parents d'occuper les enfants. Aujourd'hui, c'était ce matin, la télé, on a un petit peu traîné à la maison. Et puis en fait, cet après-midi, ça faisait une bonne activité en plein air, ce qui est tout à fait bien, quoi. Et pour ceux qui auraient raté l'initiation, une session de rattrapage est prévue ce vendredi. Allez, retour au sec.